Le choix du site de l'événement, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, est symbolique. Les présents sur la scène, significatives. La grande famille diplomatique, les amis du Cameroun, le ministre de la Santé publique, Dr Manao Damalashi, à Genève, pour la 76e session de l'Assemblée mondiale de la santé, participe à cette célébration, rehaussée par la présence de nombreux artistes et musiciens. Mais au-delà de cet aspect festif, il y a la symbolique de la journée qui mobilise tant à Yaoundé qu'à Genève des acteurs sociopolitiques de premier rang. Pour les Camerounais, notre fête nationale symbolise deux faits majeurs. D'abord, le couronnement de la longue, difficile et glorieuse marche d'un peuple vers la conquête de sa souveraineté internationale. Et ensuite, la célébration par le pays tout entier de son unité retrouvée après 45 ans de ses réparations contre nature. La mission permanente du Cameroun auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a joint l'utile à l'agréable pour une manifestation publique qui magnifie un fait marquant de l'histoire contemporaine du Cameroun. Une histoire qui permet de comprendre le présent et évidemment de faire des projections pour l'avenir.